Let the games begin. Plateau pour quelques questions pour. Notre invité Babacar Gassama, voici une belle compilation de jeux pour replonger les amateurs dans cette ambiance de jeux vidéo. Bon, moi je regarde avec beaucoup d'attention parce que c'est quoi, quelque chose. Aussi non, mais ça m'impressionne toujours. Quand je vois Ilham avec tous les dessins tu et as tout. Vu, hein? D'ailleurs, sur sa page Facebook, il n'y a que ça. Il n'y a que ces personnages caricaturés et tout, des super-héros et des guerriers de l'espace ou de la Terre, je ne sais plus. Bonjour, bienvenue, Babacar Gassama. Vous êtes le président de CM Games où se retrouvent certainement tous ces amateurs accros aux jeux vidéo. Bienvenue sur le plateau. Vous préparez un tournoi à Castor. On en parle évidemment. Oui, c'est ça, Sarah. Et on va d'abord parler des jeux vidéo. Vous êtes tous des accros. La communauté des gamers, c'est comme ça vous appelez? Oui, on s'appelle Zen Game. Oui. Nous sommes une association, mais moi je dirais plutôt une communauté. Oui. Nous regroupons tous les joueurs du Sénégal. C'est ce que nous voulons exactement. Nous voulons regrouper tous les joueurs du Sénégal, ceux qui s'activent dans les jeux vidéo, que ce soit sur PC, sur console, même les smartphones. Candy Crush, vous jouez à ça? Oui. Voilà. Ah oui. Même ça, Candy Crush. Voilà, oui. Candy Crush, Temple Run, Subway Surf, tous ces jeux-là, nous voulons créer une communauté qui va regrouper les joueurs des jeux vidéo pour faire la promotion de cette activité. Et par promotion, nous entendons vulgarisation, exploitation, réalisation. Parce que bon, les gens se pensent souvent que notre association, c'est pour seulement regrouper des joueurs. Alors que nous voulons exploiter les jeux vidéo. Comment? En fait, comme je vous l'avais expliqué, les jeux vidéo sont la première ressource financière mondiale. Parfois, les jeux GTA V, vous connaissez? Non, moi je connais. Bon, non. GTA V, c'est un jeu vidéo qui a été réalisé avec plus de 40 milliards de revenus. Ici au Sénégal, les jeunes ont tendance à jouer aux jeux vidéo, mais on n'exploite pas la ressource. Donc on s'est dit, on va créer une communauté qui va regrouper les joueurs, les gamers, on va faire tout ça là. Mais on ne va pas se limiter là. Si on nous donne les moyens, on va prendre des gens qui pourront réaliser des jeux made in Sénégal. D'accord. Et les gens pourront télécharger et jouer ces jeux faits par des gamers, des gamers. Ouais, c'est ça. Ils pourront les télécharger, ils pourront les acheter aussi. Parce que nous luttons contre ça aussi. Nous luttons contre le téléchargement des jeux vidéo. Bon, quand c'est pas gratuit, quand d'accord. Ouais, quand c'est pas gratuit. Okay. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous a attiré aux jeux vidéo? Bon, en fait, je vais revenir sur la création de Sten Game. Ouais, en fait, c'était vers 2010, comme je vous l'avais expliqué. On voulait organiser un tournoi. Vous connaissez les jeux de football? Ouais. On voulait organiser le tournoi là. Donc, par la suite, en organisant le tournoi... Et là, c'est quelle vidéo, ce qu'on voit là à l'antenne? Ouais, ça, c'est un jeu vidéo sur le rugby. Le rugby, ouais. Ouais, ça c'est un jeu vidéo sur le rugby. Ouais, ça, c'est un LAN party qu'on avait organisé. On regroupe des joueurs, on les met... chaque joueur amène sa machine, son ordinateur, on les met en réseau. Ensuite, ils commencent à jouer. Ils jouent entre eux. Oui. D'accord. Ouais. En fait, les jeux vidéo, c'est un univers assez particulier. Ouais, assez particulier. C'est un peu ça. En fait, et souvent, ceux qui se prononcent dans sur les jeux vidéo, ils ne comprennent pas assez le concept. Les jeux vidéo sont passés de niveau A à un autre qui est vraiment exceptionnel. Oui, ça va. Moi, je suis quand même impressionnée, étonnée, parce qu'on aurait pu penser que quand on pense aux jeux vidéo, pendant très longtemps, on pensait que c'était pour les enfants, les tout petits et tout. On voit que. Voilà, moi, c'est ça. Bon, par exemple, notre communauté, oui. Tu vois des gens qui ont 14, 16, 18, 24, 30, 40, jusqu'à 50 ans. Qui joue aux jeux vidéo. Parce que les jeux d'aujourd'hui, il y a des jeux qui ont mis moins de 18. D'accord. Interdits aux moins de 18 ans. Ça veut dire que les jeux sont tellement réalistes. Que les gens, bon, ils ne comprennent pas l'univers exactement. Mais êtes venu avec votre console ou pas? Non. Je ne vous déplaçais pas avec, non. Bon, ça dépend en fait. Mais il n'a pas dormi hier, hein? Il ne dorme pas en plus, les gamins.
Mais non, pourquoi ça, vous ne dormez pas? Vous passez la nuit à jouer? Non, en fait, ça aussi, c'est une chose qui fait de nous une mauvaise réputation. Parce que souvent, on dit que les gamers, ils ne dorment pas, ils sont accros, etc. Mais je vous dis, je vous dirai pas que c'est faux, mais je vous dirai pas que c'est vrai aussi. Parce que bon, vous dormez de temps en temps. Oui, on dort de temps. Parce que souvent, les parties, on les joue la nuit. D'accord. On les joue à partir de 23h, 22h. Donc là, c'est compliqué. Ouais. Mais donc, vous dormez à quelle heure? Bon, ça dépend. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à cette vision péjorative que les gens ont des jeux vidéo au Sénégal? Quand vous allez sur Google, vous tapez les méfaits du jeu vidéo, on vous amène toute une liste. Ils sont accros, ils sont obèses, ils sont fous. C'est vrai? La violence, etc. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, mais vous n'êtes pas obèse. Vous tapez le contraire. Mais il paraît que soit vous êtes obèse, soit vous êtes bon. Parce qu'ils ne mangent pas normalement. Non, ça c'est juste comme je dis, une vision péjorative. D'accord. Vous tapez exactement les avantages des jeux vidéo. On va vous amener encore toute une liste. On vous dit que ça améliore l'intelligence, ça initie à la technologie, etc. En fait, c'est une appréhension qu'on a. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Cela dépend exactement du joueur. D'accord. En fait, moi j'ai dit l'objectif principal, c'est la sensation que va avoir le joueur quand il tient sa manette ou bien son joystick. Maintenant, les avantages et les inconvénients dépendra du jeu. Tout est nuisible. Ça, c'est déjà clair. Et quelle est l'utilité exactement des jeux vidéo pour le public? Pour le public. Ouais. Ok. En fait, par exemple, nous, les tournois que nous organisons, il y a des joueurs qui sont là, qui installent leurs ordinateurs. Mais il y a des gens qui viennent seulement pour regarder les joueurs s'exhiber. Ils sont là derrière, ils prennent leur boisson, ils nous regardent jouer. Comme des supporters. C'est un vrai match alors. Oui, c'est un vrai match. Mais nous, exactement ce qu'on dit, on dit que, en fait, on ne veut pas limiter les jeux vidéo pour les joueurs ou pour ceux qui viennent regarder, exactement. Nous disons que nous mettons cette game à la place pour exploiter les jeux vidéo, que ce soit au niveau financier, que ça soit au niveau ressources humaines. Ah tiens, financier, moi, ça m'intéresse beaucoup. Quel est aujourd'hui l'impact économique des jeux vidéo pour le développement du Sénégal? Au Sénégal, vraiment, je dirais que nous exploitons 0,9% ou 1% des jeux vidéo. Ah ouais? Parce qu'ici, on réalise pas. Ça peut avoir un impact sur l'économie? Ah non, mais attends, les jeux vidéo sont la première ressource mondiale. Si on n'arrive pas à les exploiter, à en tirer un intérêt financier, ça n'a plus de sens. Pourquoi ça peine à décoller au Sénégal, en Afrique, à votre avis? Déjà, nous, quand nous avons mis la situation en place, nous avons rédigé des lettres de sponsoring. Nous avons mis un dossier en place avec un bon plan de marketing. Nous avons déposé ça chez les sponsors, mais on n'a eu aucune réponse. Nous voulons mettre en place des jeux, par exemple la lutte. Nous avons la ressource humaine pour faire ça. Ouais. Le Wuri. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, à la lutte? Par exemple, à la lutte, nous voulons faire un jeu vidéo consacré à la lutte. Mais vous savez, pour faire quelqu'un va... Ah ouais, non, mais de toute façon, si quelqu'un arrive à la faire, nous, on est bon. D'accord. Nous voulons seulement la promotion des jeux vidéo. D'accord. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre du CNG, à l'UNSAR et les autres? En fait, ça, c'est pas à l'UNSAR de gérer ça. Parce que, non, je pense que vous allez les contacter pour échanger. Même si on échange avec eux, il y aura un volet que eux ils ne pourront pas gérer. C'est ça. Pour faire des jeux vidéo, il faut un graphiste, des programmeurs, des dessinateurs. Oui, j'ai vu qu'il y a toute une machine derrière. Par exemple, il y a récemment, la dernière production, c'est plus de 270 millions de revenus pour la conception et le marketing. Mais ici, on peine même à sortir 1 million ou bien 2 millions pour concevoir. Et on a des ressources pour le faire. Il y a de bons graphistes, de bons infographes, de bons dessinateurs. De bons réalisateurs. Alors, vous finissez votre programme de ce samedi? Bon, en fait, le samedi, chaque fin d'année, nous essayons exactement de présenter les jeux qui vont sortir en 2015. Par exemple, là, il y a le PS, il y a le FIFA, il y a le Call of Duty. Donc, nous invitons les joueurs, ils viennent, on présente les jeux qui vont sortir. On fait une exhibition avec... Ce samedi, à la Cité des Eaux, derrière la Biche d'Or. Sarah Kinkiliba sera représentée par Ilham et Papfaye. Oui, il sera là. Il sera là, Inch'Allah. Ilham Papfaye. On a une forte communauté de gamers ici. Ouais, hein? Donc, combat pour découvrir. Ok, donc de toute façon, nous allons essayer d'organiser une chose. Mais moi, c'est plutôt les jeux concernant le sport qui m'intéressent. Oui. Il y en a énormément. Oui, il y a beaucoup. Il y a les jeux de stratégie, sport, vous allez m'initier. Il n'y a pas de souci, ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Président de Sengame qui est venu nous voir. On poursuit maintenant. On vous souhaite une très belle journée. Le rendez-vous, c'est samedi avec tous les autres. Alors, je retrouve rapidement mes fiches. Où est mon conducteur? Oui, c'est immobile.